Ya, pia, 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 Seigneur Prince, les amis, on se retrouve pour le 17e épisode de ce Let's Play Pokémon HGUE. J'ai fait de l'XP, regardez les amis. Excusez-moi. J'ai fait de l'XP, regardez Pikachu et tous les autres sont au niveau 32. On va voir ça tout de suite. 32, 32, 32, 32, 32, 32 et 27 pour Colossinge. Pourquoi niveau 27? Parce que ça va être la star de l'épisode, les amis. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. J'ai fait de l'XP à Safrania pour... Ben voilà, tout simplement, j'ai fait de l'XP à Safrania. Enfin, là où j'ai fait l'XP, justement, pour battre le Kadabra de Morgane entre Safrania et l'avant-ville. Je sais qu'il y avait des herbes aussi de ce côté vers la route 16 là-bas, mais là où je suis pas allé d'ailleurs, mais si je vais trop loin, il y a quelque chose qui se passe et vous allez voir tout de suite. Et justement, il faut le voir avec vous. Vous allez voir tout de suite. Donc c'est la Dopole. Bye bye. En avant pour de nouvelles aventures. Route 16. Je pouvais faire de l'XP ici. Hein. Là, mais si j'avançais un peu trop, regardez ce qui se passe. Oh les amis, regardez un Taignon. Waouh, Taignon. Taignon. It's a Will Hitmonchan. Would you like to try to catch it? C'est un Taignon sauvage. Je vous l'avais déjà dit dans un Poké, saviez-vous, mais Hitmonchan, le Chan, vient de Jackie Chan. Voilà, voilà. Voulez-vous essayer de le capturer? Oui, on va essayer. Allez hop, c'est parti. Taignon, niveau combien? Niveau 30, ça va. Allez, Colossinge. Normalement, c'est pas Colossinge qui le combat, c'est Pikachu. Donc, Pikachu au combat. Ice Punch, ça va, tu vas gérer, je pense. Tu vas gérer Pikachu. Tranquille. Allez, tonnerre. Dans l'animé, le Pikachu de Sacha, il lui met un coup de poing. Ils appellent ça coup de poing fusée. Voilà, le coup de poing fusée. Il lui met une patate. Et il le sent bien, Taignon, il le sent bien. Mais après, il y a son dresseur qui arrive et il lui dit finalement, étale-moi ce petit Pikachu ridicule. Et là, je pense l'achever avec Tonnerre plus Vive Attaque. Non, même pas, Tonnerre tout seul. Et voilà, nous avons battu ce Taignon. Cool. Oh, il est énervé. Et le dresseur de Taignon qui smurf. Il arrive, tac-tac, en smurfant. Tout, tout, tout. La classe. How many times do I have to tell you? Yeah, don't drop your guard. Combien de fois je vais devoir te le dire? Ne baisse pas ta garde. Ah là 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 là. Je déclare. Hitmonchan, le gagnant de ce combat. Non, 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 non. Pikachu l'a battu. Pikachu l'a battu. Il s'appelle Anthony en fait. I am out here training my Hitmonchan to compete in the P1. P1. Il entraîne son Taignon pour. Comment dire? Pour le Grand Prix P1. Voilà, c'est ça, le Grand Prix P1. C'est un tournoi exclusivement pour les Pokémon de type combat. Voilà, c'est ça. Any fighting Pokémon trainer watches. Salt will be in the tournament. Rebecca, qui dit Daddy! Rebecca, ça doit être celle qui est juste en haut à gauche de. Juste en haut à gauche, la petite fille là-bas. Oh, elle appelle son papa Daddy! Qu'est-ce qu'elle lui raconte? Rebecca? Daddy, please quit Pokémon training and come run with me. Vous avez compris, je pense. Arrête d'entraîner tes Pokémon et viens avec moi, rentre à la maison, je pense. Je veux devenir un grand champion du prix P1. Mais papa, pas Teddy. Je serai le champion. Ah d'accord, il dit qu'il sera le champion. Et là, il me dit qu'il m'attend. Il attend en fait que je vienne le défier, que je sois un bon challenger. I'm really sorry my father bothered you. Can I ask a favor for you? A really, really big favor. Elle me demande une faveur en fait. Ok. Please defeat my father Hitmonchan. Essaye de battre le Taignan de mon père. Mon père n'arrête pas de vouloir devenir champion P1. Mais la logique, ça serait, essaye plutôt d'essayer de faire en sorte qu'il gagne. Mais bon, le but, c'est de gagner quand même. Là, l'animé, c'est pareil. Elle demande à Sacha que son père perde, en fait. Que je le batte. Mais c'est pas logique. C'est pas logique parce qu'il a dit qu'il n'arrêtera pas tant qu'il n'a pas gagné. Et si je le bats, bah, il n'arrêtera pas, logiquement. Bref. Oh, il y a beaucoup de dresseurs ici. Ok, on peut pas l'esquiver lui. On va entraîner
On va entraîner lui. Colossinge, allez. Low kick. Je fais un peu n'importe quoi. Enfin, c'est lui qui fait n'importe quoi. Allez, il veut pas m'écouter. C'est lourd, ça. Bon, c'est pas grave. On va changer de Pokémon. De toute façon, il a. Pikachu est mal. Il a le multi-exp. Olé, c'est bon. Il va prendre. Non, non, non. Raj, il l'avait. Je lui ai enlevé. D'ailleurs, il a appris Frapatlas à la place de cette attaque. Non, on garde Carapuce. Et on va lancer cette fois-ci Bubble. Non, faut pas échouer. Ah, Carapuce. 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 Il est en train de me dire que c'est pas de ma faute. Mais Carapuce, si, un peu au début, c'était ta faute. Avant qu'il te lance le jet de sable. Allez, Bubble. Bubble gum. Carapuce, Bulbizargo. Dig. Tac. Allez, c'est bon. On va l'esquiver, le dresseur ici. Nous allons aller en deux temps. Trois mouvements au centre Pokémon. On va mettre Pikachu en première position. Voilà. Au centre Pokémon de Céladopole. Le poison, le poison, le poison. Il est KO, malheureusement, il n'a pas. Il a pas résisté. Tant pis, c'est dommage. C'est dommage, c'est pas grave. Allez hop, on y retourne. Tac, tac, tac. Je voulais voir un truc que j'avais pas vu dans l'épisode. Pas le dernier épisode, mais. Enfin, je sais plus si c'était le dernier ou pas. Je voulais voir un truc. D'accord, ok. Bref, allez. Coucou. Let's rock. Let's rock. C'est bon, ça va être tranquille. Allez hop, c'est fait. Allez hop, c'est fait. Olé. À toi, l'ami. Belihimp. Allez, boum, c'est fait. Et hop, c'est fait. Machoke. Machoke. Olé, à ton tour. Caninos, ça va être tranquille. Tonnerre, et hop, c'est réglé. Salamèche, tiens donc. Tonnerre, et hop, c'est réglé. À ton tour. Machoke, encore une fois, c'est réglé. Onyx, c'est réglé. Parfait. À ton tour. Dardarnien. Tonnerre, c'est réglé. Et on garde toujours Pikachu. Et tonnerre. Voilà, c'est bon, les amis. Nous sommes arrivés au tournoi du Grand Prix P1. Je pense que c'est ici. C'est bon. Nous allons switcher et prendre et mettre Colossinge en première position. Niveau 29. Alors là, il devrait. Par contre, item take. Voilà. Il me semble que. Voyez, ici là, juste au-dessus, c'est rouge, il y a quelque chose. Et il me semble que c'est quelque chose de très utile. Oui, voilà. Aéropiqué, cool. Aéropiqué. Tac, tac, open. On va le donner à Colossinge. Eh oui. On va oublier Furry Sweeps. Est-ce que je peux. Je l'ai plus du coup, malheureusement. Tant pis. Je voulais l'apprendre à Rookups aussi. Mais bon, c'est pas grave. Les amis, c'est ici que va se dérouler la partie la plus importante de l'épisode. Le Grand Prix P1. C'est parti. This is the P1 Championship. You only ratty of entering and you can best me in battle. Mais t'es pas. Rebecca, toi? Non, c'est pas Rebecca. Non, c'est pas Rebecca, c'est Alicia. Ariel Haas. Bim. Encore. C'est bien. Il m'écoute. C'est bizarre, mais il m'écoute. Par contre, je vais pas accélérer les combats durant le Grand Prix P1. Ne vous inquiétez pas. On garde Colossinge. Non, 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 cette fois-ci. Ah, je voulais. Voilà, Karate Shop plutôt. Gère, 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 gère. Je ne veux pas obéir, tant pis, Bulbizargo. Bizarre, Razzleaf. Voilà, nous allons aller rapidement au centre Pokémon, histoire d'être prêt pour le Grand Prix P1.
Dans l'animé, je vous rassure, Sacha ne retourne pas au centre Pokémon de Céladopole comme ça. Non, non, non. Il va à Céladopole une fois, dès qu'il part, c'est fini. D'ailleurs, j'ai une petite déception quand même, parce que dans l'animé, à la fin de la saison 16, Sacha, Iris et Rachid retournent à Carmen-sur-Mer. Je l'avais pas dit, mais bon, ils retournent à Carmen-sur-Mer, comme vous l'avez vu. Ce que j'ai pas dit en fait, c'est que je suis déçu qu'il n'ait pas fait de petit coucou au Major Bob en fait. Voilà, ce qui est... Ça aurait été quand même épique. Ça aurait été épique. Sacha qui revoit le Major Bob. Vous vous rendez compte, tant de temps après. Bon, tu me laisses rentrer. The championship is underway. You can enter now. Et toi, tu vas où? What the fuck, il est parti où? Tant pis, on s'en fout. Welcome to the Pokémon Number One Grand Prix Championship. I'm sorry, but you can only enter one Pokémon into the championship. You can use the counter in the corner to store your other. Just remember, you must use the fighting Pokémon to compete. Dans mon équipe, je dois avoir qu'un seul Pokémon et en plus un Pokémon de type combat. Regardez les amis, la Team Rocket qui va participer aussi au Grand Prix P1, je pense. Dans l'animé, ils ont agressé quelqu'un pour prendre son Kikli. C'était drôle. Non, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Déposite. Tac, tac, tac. Voilà, il ne nous reste plus que Colossinge, c'est parfait. Bon, est-ce que je peux participer maintenant au Grand Prix P1, monsieur? Ah, so you have a fighting Pokémon, very well. Let the contest begin. Que le tournoi, enfin le tournoi, le concours commence. Contest, c'est concours plutôt, mais bon. Mon premier adversaire. Ah, your first opponent shall be your last. Ton premier adversaire sera le dernier, quelque chose comme ça. J'arrive à me battre, donc pas de problème. Machoke. Allez, niveau 20, t'as largement, largement, largement les capacités de le one-shotter avec. Si tu m'obéis pas aussi, s'il te plaît, obéis-moi, l'ami, obéis-moi. Juste une seule fois. Ah, je prends cher là, je prends cher. C'est bon. C'est bon. Est-ce que je vais pouvoir soigner? Ah mais ouais, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que je vais pouvoir soigner mon Pokémon entre les matchs? Est-ce que je vais pouvoir les soigner? What? It's a Primate. It's impressed with all your courage for in the battle. Primate apparently you respect you know. Yeah, il me respecte maintenant. C'est bon, il me respecte, les amis. Colossinge me respecte et va m'écouter. C'est cool, parce que dans l'animé, en fait, réellement, il combat un Machoke. Comme là, exactement comme là. Et Machoke fait frappe Atlas, je crois, à Colossage. Et il jette Colossage hors du ring. Et Colossage, il vole, il vole, il vole. Et il va faire une chute dramatique. Et Sacha, à ce moment-là, il court, il court, il court. Et il s'interpose, il se met entre le sol. Enfin, il se met de telle sorte à ce que Colossage rebondisse sur lui. Et à ce moment-là, Colossage est pris d'affection pour Sacha parce qu'il voit que... qui s'est sacrifié pour lui. Ah, c'est beau à voir, c'est beau. Magnifique épisode de la saison 1. Et il est triste d'ailleurs, parce que le Colossinge de Sacha, on l'a plus revu. On l'a plus revu. C'est triste. I won't lose. Watch and see. Et là, bien sûr, la scène ne pouvait pas être reprise de la même façon. Là, c'était juste un combat Pokémon. Machoper, niveau 22, ça augmente les niveaux. On va donner une potion. Si j'en ai. Est-ce que j'en ai? J'ai bien peur que non. Mais que. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Olé. Hyper potion, c'est bon. Focus énergie. Allez, fight. Ayalhas. One shot. Non, il résiste. Karate chop. Ouh, coup critique. Ça va, allez. Parfait. On a battu déjà deux adversaires. Hein, deux adversaires. Et bientôt le niveau 30 pour Colossinge. Bientôt le niveau 30. I guess I wasn't prepared to be a P1 champion yet. Champion. Let round 3 commence. Que le troisième round commence. C'est parti. I've trained for this moment my entire life. Je me suis entraîné toute ma vie pour ce moment.
Ma destinée est le Grand Prix, P1. Ouais, si tu me bats, si tu me bats. Un Pokémon, un Machamp, Macogneur niveau 25. Ouh, violent, de la violence. Hyper potion. Il va m'enlever 25 PV. Ça va. Aéropiqué. En deux coups, ça devrait être bon. Ouais. Ça va. Il m'attaque pas. Je devrais l'achever là. C'est bon! Cool! Et du coup, Colossin, je monte au niveau 30. Parfait. Cool, parfait, c'est bon. Je pense qu'on a gagné. I must bow to your skills. Je pense qu'on a gagné le Grand Prix P1, non? Ah non, demi-finale. Contre la Team Rocket, les amis, Jesse et James. We can't wait for the chance to show you goody goody. What a loser you are. We stole this Pokemon especially to win the championship belt. We're going to be the winner around here. La Team Rocket au Grand Prix P1, Jesse et James. Un Pokémon, bien sûr. Hitmonlee, ils l'ont volé, le Kikli. Niveau 28. Ah ouais, quand même. Aéropiqué. Waouh, ça fait mal. Aïe, le one shot violent. I give up. Et ouais, magnifique. We may have lost two fighting tournaments, but you haven't hurt the last of us. We must dig up again. La Team Rocket qui s'envole vers d'autres yeux. Let the final of the P1 Grand Prix begin. Que la finale du Grand Prix P1 commence. C'est Anthony, les amis, qu'on a rencontré tout à l'heure avec son Tainion. So you made it into the final. Hey, that's pretty impressive, but you won't get any further. La finale contre Anthony et son Tainion. Bon, vu que j'ai one-shoté le Kikli, j'ai pas besoin de me soigner a priori parce que non, je n'ai pas été touché tout simplement. Niveau 30, ça va, il est de mon niveau. Ah si, mais il manque de la vie. Bon, aéropiqué. Poila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 , la misère! Un one-shot fulgurant qui achève littéralement ce Tainion. Excellent, Colossinge! Excellent! Et Colossinge, regardez, il est sorti de sa Pokéball. I lost to every opponent. You deserve the P1 Championship, Ash. Now you can go be with my family and stop Iris training until next year. Oui, va voir plutôt ta famille et arrête de faire des tournois Grand Prix P1, ça te va pas du tout. Mais t'as quand même été finaliste, j'ai envie de dire. Congratulations for your victory in the P1 Grand Prix. Please accept this prize. Et je reçois Black Belt. Je ne sais pas ce que c'est, mais on ira voir tout à l'heure. Et il y a Rebecca qui arrive. Elle me dit: Thank you so much. Now my daddy can be with you as family again. Maintenant, mon papa va pouvoir rester avec nous dans la famille encore. Ouais, ok. Ash. I was impressed with your prima, I got a lot of natural fighting talent. Il a un talent naturel pour l'art des combats Pokémon. Pourquoi tu ne me le laisserais pas? Je te promets d'en faire un grand champion du prix P1. Oh, les amis, Colossinge, je l'avais capturé juste avant d'entrer à Céladopol. Il m'écoute en ce moment. Je pourrais le garder. Je pourrais. Mais c'est mon devoir de le confier à ce dresseur. Colossinge, bonne chance, mon ami, et sois heureux. Je ne t'oublierai jamais. Je dois quand même me reprendre. Hey Krabby, je reprends mes Pokémon pour pouvoir donner Colossinge à ce dresseur. Comme dans l'anime d'ailleurs, Sacha confie Colossinge. Malheureusement, on ne le revoit plus. C'est triste. Allez, tiens l'ami,
Soigne-le, s'il te plaît, soigne-le. Il n'est pas totalement soigné, Anthony. Thanks, Ash. I'll turn primate into a world champ, you'll see. Ah, je suis triste, les amis. Que le sage, sois heureux, mon ami. Sois heureux. Vous savez, dans le Let's Play Pokémon HY que j'ai fait en muet, j'ai oublié de lui retirer le multi-exp et du coup j'étais dans la galère. Je le cherchais partout. Alors si je retourne, et du coup voilà, j'avais fait une erreur. Merci beaucoup. Et Colossinge est ici. Goodbye, Colossinge. Sois heureux avec ce dresseur. Avec plaisir, Rebecca. Les amis, nous allons nous arrêter ici pour ce 17e épisode de ce Let's Play Pokémon HY. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode dans la région de Kanto. Bye tout le monde!